Les débuts. Allez, les messieurs, il a un morceau. Quasimoto, que ça t'a donc Bassong, je vais renforcer ma action pour que Awine, normalement. Merci, on attend les combats suivants. Comme je l'ai dit, ma combat elle est au Eco 8. Donc il y a au moins 8 combats. Il est programmé. Il y a Tom Chunga Morgue. Un deuxième qui est Morgue. Papa chéri. Mon club Mampala, mon Katuba. Morgue. Na Debi. Debi dans Kasai. Morgue. Master Bakosa qui est ici. Comme ça, Morgue. Après Morgue, ça sera sous-marin contre marteau. Voilà, Morgue. À l'Afrique. Papa chéri. Très à noir. Kumkongwa de Koku Ultimatum, Koku Piton, Tende Kwababa, sans oublier Bébé Rico. Bébé Rico qui est le jeune frère, quoi, président Kalalampiana, Casimir Morgue avec son marteau. Il faut rappeler que c'est un marteau en bois, hein, avec ses tissus, avec une chevelure. Beaucoup de concentration ce soir parce que les deux catcheurs sont techniciens, en même temps superstitieux. Morgue qui fait d'abord le tour du ring avant de retour, avant d'entrer, avant de s'introduire dans les rings. L'arbitre, c'est toujours Bamayo qui continue. Je salue également l'arbitre le plus mal habillé, l'arbitre Apollo, l'arbitre le plus mal habillé qui vient d'entrer aussi. Peut-être d'arbitre combat il y a 4. Là, c'est sous-marin contre marteau. Et on attend l'arrivée du catcheur Baby. Chouchou Sida. Il y a également Shadai qui est venu l'accompagner. Allez, d'abord un coup. Ultimatum qui refuse de tomber. Allez, et là, Ultimatum est à l'angouka. Donc, Bachel Bote, Bamoukle, Mampala, Chini, Piton, Bébé Rico, tout ça, Bote Bananguk. Ils ont fait d'abord le tour du ring avant d'entrer. D'abord, c'est le contrôle. Il faut contrôler si peut-être il y a une arme blanche ou une arme à feu, parce qu'on ne peut pas s'introduire dans les rings avec une arme. Baby qui va d'abord remettre sa canne à son coéquipier. Voilà, il faut tout remettre. Beaucoup de concentration avant le début de ce combat. Morgue de la Gécamine face à Baby du Kasai. Njabakacherba 2. Arbitre Njina qui n'est pas à Bamayo. Allez, c'est déjà le début. Allez, donc Baby veut nous prouver d'abord qu'il est technicien avant de passer à la deuxième phase de ses combats, réservée bien sûr à la concentration. Voilà, projection Morgue, il est sur le tapis. Un coup de manchette. Morgue est en difficulté. Il est coaché par Bébé Rico. Bébé Rico qui encourage les actions de Morgue. Voilà, Morgue va se concentrer un tout petit peu. Voilà, il va peut-être maîtriser la situation. Voilà, c'est comme ça que Morgue a toujours catché. Bonsoir, Moufalmé. Oui, bonsoir, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi. Bonsoir, bienvenue, Kamonga de Champ. Dames et messieurs, nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga. Ville de Lubumbashi, commune de la Kenya, le grand stade Kibasa Maliba. Morgue face à un monsieur que vous connaissez bien, qui vient du Kasai. Baby. Baby, il a fait un bon spectacle hier, bien qu'il a gagné avec beaucoup de difficultés, mais il a fait quand même l'essentiel. Je salue le président Zouzou qui a organisé ce festival. Salue également l'arbitre international Bamayo, l'homme de l'environnement, pourquoi pas votre ami, oui. L'arbitre le plus bien habillé. Oui, l'arbitre le plus mal habillé, il s'appelle Apollo. Et jusque-là, voilà, c'est Morgue qui va
désactiver Baby. C'est comme ça que ça commence avec lui. Il faut porter la chevelure. Tout commence par la chevelure. Après ça, ça sera, c'est, on dirait c'est chapelet, hein. Et après, c'est un marteau en bois. Il va peut-être frapper. Il va demander à Baby de s'agenouiller avec un pagne qui appartenait à l'époque à Pélican. Allez, Baby qui refuse. Qu'est-ce qui va se passer? Baby qui se concentre un tout petit peu. Il donne un coup. Morgue. Masta. Bakosa qui est ici. Allez, il faut se mettre à genoux. L'objectif de Morgue Mfalme est que Baby puisse s'agenouiller. Effectivement, c'est ça l'objectif de Morgue, pour que Baby s'agenouille. Et comme vous le voyez, la musique n'est pas bonne aujourd'hui. Nous allons demander à la fanfare de faire l'essentiel. Attention, ça se compte au rythme de l'arbitre Bamayo. Voilà, peut-être ça sera fini pour Baby. Hier, il a gagné, mais aujourd'hui, c'est face à Morgue. Papa chéri, vous savez pourquoi on l'appelle Papa chéri, non? Voilà. Baby vient de se réveiller. Il n'accepte pas la superstition de Papa chéri. Voilà, là, il va peut-être arracher les effets de Papa chéri. Morgue, il faut arracher les pagnes, les marteaux. Peut-être les frapper avec ça, on ne sait pas. Va se concentrer un tout petit peu. Un coup, les coéquipiers de Morgue sont tombés, excepté Ultimatum, qui finit par tomber aussi. Ultimatum qui résiste face à tous ses coups. Allez, Ultimatum qui réplique. Morgue qui va finaliser avec ça. Une, deux. Malheureusement, il n'y a pas eu trois. Simplement deux. Allez, Morgue est maîtrisé pour la deuxième fois. Baby va donner un coup de marteau. Et lui aussi, on l'appelle Masta. Oui. Bakosa Kyokisi. 2, 3, 4, peut-être ça sera fini. 5, 6, voilà. Celui-là, bien, celui-là, on l'appelle Papa Chéri. Morgue, l'homme de la Gécamine. Une, non, ça ne tient pas. Malheureusement, ça ne tient pas. C'est un combat difficile pour les deux. Allez, c'est Morgue cette fois-ci. Il va perdre ce combat. Attention, une, deux et trois. Ben, quelle erreur de Papa chéri. Victoire de Baby, mesdames et messieurs, applaudissez. Applaudissez pour Baby de Mbushimai, l'homme de Bakwadianga, l'homme de Bipemba, l'homme de Misesa. Ismatom qui va approcher, Ismatom à la Tchofa. Il veut peut-être faire face à Baby. Peut-être une question d'arracher tous les éléments de Morgue. Ultimatum qui est derrière Baby. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Allez, Ultimatum qui veut tenter d'arracher les pagnes et les marteaux de Morgue. Allez, c'est les coéquipiers. Voilà, c'est les coéquipiers. Ultimatum qui se concentre, qui va arracher les éléments. Allez, Ultimatum qui a récupéré les marteaux et les pagnes de Morgue, Papa chéri. Oufalme, on a tout récupéré? Oui, on a tout récupéré. Moukou Bantembo vient d'arriver. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de regarder le chaos, n'est-ce pas, de Morgue Papa chéri. Et nous attendons Sous-Marin qui sera face à Marteau. Nous allons prendre Baby. Baby, combat, le héros est compliqué au fort. Hein? Tout le monde dit que Morgue Zama Kassi. Allez, Kio. Morgue Zama Kassi. Morgue Zama Kassi. Morgue Zama Kassi. Morgue Zama Kassi. Mais vous trouvez Morgue Ndeni?
Kako ni problem to? Ni nini baadhi kebabu abeo? Ndini baadhi kebabu abeo kwenye abato. Ndini kebabu Arab, ndini kebabu Shibik, ndini kebabu Antibons. Umoku mojini shiki jobons. Mbebi kitok, wamumbujmai. Sawa, merci. Nous allons prendre Morgue qui est en train de venir avec ses amis, ses coéquipiers. Morgue, on a combattu bien ça, mais on a chinda couine. Qui est-ce qui vous pousse, qui vous manque le jour de combat? Bon, Nikacheri Munene, ministre de Kufanya, yangu yote ministre de Kufanya, on a fini de pas couine. On a quoi, Bafana couine? Bafana tiki yangu yote, Jekamin. Katuba Kananga Badolit Mukwe calme. Il est premier épisode, deuxième ni kalakako. Ima bornia ni yako bien. I pany moya ni ile pany kuya ya Maremu Pelican maître wangu. Njo ile mireritie ko ko mabrek. Wa. OK. Mis maton, on va faire une va faire ba chunge, miso va préparer mambo bien. Canal Lubumbashi, c'est le quatrième combat qui va opposer sous-marin au Kachom Marteau. Voici l'arrivée des sous-marins de Lubumbashi. C'est un technicien, un bon. Il a catché à belle urette. Il s'entraîne. Il sera face à Marteau de la province de Lomami parce qu'il vient de Cabinda. Ben, il s'est associé effectivement aux autres de Mbujimaï, parce que c'est le grand Kasaï. Voilà, mesdames et messieurs, l'entrée du catcheur sous-marin de Lubumbashi. Et l'arbitre, l'international Bamayo, fait son travail effectivement pour vérifier un élément étranger qu'un catcheur peut apporter sur le ring. Attention, Tibassou, tu as vu? Si tu n'as pas encore vu, tu vas voir. Ouais, Mfal, mais ce monsieur s'appelle Marteau. Il est de Cabinda, il vient souvent à Lubumbashi. Marteau qui a toujours dit qu'il est bien Kabishake. Donc c'est un monsieur. Le combat ne se termine pas avec ce monsieur. Donc à la fin de son combat, il faut qu'il y ait une force supérieure pour maîtriser la situation. Marteau qui a une culotte un peu particulière, bien sûr, avec ses bottes. Et très souvent, c'est un homme très violent. Très violent, mais à la cité, très gentil. Et quand vous le voyez, aujourd'hui, il est habillé un petit peu de manière exceptionnelle parce qu'il est en culotte. Des fois, il vient souvent avec, il vient avec un pantalon. Mais aujourd'hui, il a apporté quand même une culotte de Jengande. Une culotte un petit peu exceptionnelle que Chris Zéo appelle Kiseba. Ouais. Et ça me rappelle également les catcheurs Satan. Le contrôle d'abord, il faut contrôler. Le marteau s'amène souvent avec un petit sac. Il combat avec un petit sac. Et marteau est bien contrôlé. Et là, c'est genouillé, il a tout. Donc, allez, c'est. L'arbitre les invite. L'arbitre invite les deux. Allez, c'est déjà les coups d'envoi lancés. Poison qui est là, avec Zeboul, en train de surveiller tout le mouvement de son match. Poison qui a reçu des coups hier de la part de Marteau. Mais aujourd'hui, il est venu quand même appuyer sous-marin. Attention, c'est déjà le début de ce combat. Sous-marin commence très bien. En train de travailler la jambe de l'autre. Il entend comment Marteau interprète. Oui, comme un enfant. Mais lui, quand il tape les autres, il se sent bien. Mais quand il reçoit les coups, il n'est pas content. Voilà. Ça s'appelle Maokemi en judo. Et c'est chute par devant, effectivement. Là, c'est la tête et le cou qui sont brisés. Il chute effectivement avec Zempo Maokemi. Voilà. Un coup sur le dos, un autre. Apparemment, Mfalbe, le monsieur, il a un morceau dur. Hein. Poison qui intervient aussi. Poison qui va se venger parce que hier, Poison était puni de la manière la plus lamentable par ce monsieur appelé Marteau. Poison qui continue
qui va se concentrer un tout petit peu, qui va. Et là, poison est projeté. Sous-marin poussé. Voilà, marteau. Marteau qui devient comme un chien enragé, Mpalmé. C'est comme ça qu'il a toujours été. Si vous ne faites pas attention, il va battre tout le monde ici. Et là, attention, même le gouverneur Aï n'est pas content. Monsieur Pandeka Popo, parce que le transformateur peut être endommagé. Voilà. Poison ne panique pas. Il vient de s'introduire. Il a maîtrisé les mouvements. Il faut rappeler que Soumane, c'est un grand technicien. Un catcheur masqué. Allez, Poison qui engueule le marteau. Il ne panique pas. C'est un catcheur qui monte sur le ring avec son petit sac. On ne sait pas qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce petit sac. On n'a jamais vu l'intérieur de ce sac-là. On n'a jamais vu, même Chris Zéou. Voilà, c'est un mouvement raté. Ça s'est transformé en coup successif. Et là. C'est le coup qui est en train d'être brisé par marteau. Sous-marin, il est là. Voilà, c'est Poison Dawa Yampanya qui intervient. Il intervient vraiment pour. Voilà, c'est Poison Dawa Yampanya. Voilà, allez. Non, saut chassé de sous-marin. Un saut chassé raté. Coup reçu par sous-marin. Il est aussi fort, ce gars. Attention. Marteau continue à être enragé comme un chien. Regardez, c'est l'étranglement, un coup de poitrine. Non, sous-marin refuse. Il donne un coup magique. Voilà, c'est quand même réussi de la part des sous-marins. Malheureusement, Marteau a dégagé. Marteau Abishak qui continue, mesdames et messieurs, sous l'œil de Bamayo. Sous-marin, c'est quand même un technicien aussi, Mfalme, parce que sous-marin ne panique pas. C'est monsieur appelé Marteau. Il veut forcément de Kabinda. Sous-marin va tenter de faire souffrir les jambes. Faire souffrir les jambes de Marteau. Un coup à la gorge, sous la poitrine. Marteau est dans l'impasse. Il a un peu de douleur, hein? Pas un peu, mais beaucoup, parce que ce sont des douleurs qui... Ça fait partie, effectivement, du catch. Oui. S'il change le visage comme ça, il commence à devenir dangereux. Voilà, coup reçu par sous-marin, c'est... Voilà, un coup de genou sur la poitrine. Attention, là, c'est... Et là. Voilà. Et là, ça peut faire très mal. Effectivement, ça fait mal. Non. Là, on va couper, on va retrancher les points. Parce qu'il ne faut pas faire ça. Il faut gagner de manière loyale. C'est Marteau qui se fâche maintenant. Voilà, c'est Dawa Yampanya. Dawa Yampanya est venu aussi pour aider. Allez, voilà une projection très bonne là, faite par sous-marin. Il tire les deux jambes des marteaux. Il va aussi faire l'essentiel. Faut se venger. Voilà. Non. Allez. Voilà, l'arbitre va devoir compter une. Non, ce n'est pas réussi. C'est pas réussi, Mfalmé. Poison est sorti. Cette fois-ci, Marteau va tenter d'étrangler sous-marin. Allez, ça sera la fin, peut-être, mesdames et messieurs. Ça sera peut-être la fin. Marteau. Voilà. Dans Pagna a décalé. Zéboule. Et là. Marteau est dans l'impasse, on parle. Ah oui. Ce sont des spectacles comme ça que les téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi aiment.
Et toutes les personnes. Et attention. Ah. Attention. Ni. Attention avec ce soulèvement. Marto. Ça s'appelle Bouchon. Voilà. Déjà, il a amené aussi le catcheur Poison sur le tatami pour achever tous les deux. Et là, et là, et là, et là. Allez. Il va gagner les deux. Hein. Une, deux et trois. Victoire des marteaux face à Sous-Marin. Et compagnie. Oui, ça ne va pas s'arrêter par là, Mfalme. Avec marteau, ça continue comme ça. Il faut agresser maintenant les coéquipiers. Il y a Tourbillon qui vient d'entrer. Qu'est-ce qu'il va faire avec Tourbillon? Il donne un coup. Tourbillon est tombé. Tourbillon est planté. Voilà, allez. Marteau qui va maintenant tenter d'étrangler. Avec lui, c'est toujours comme ça. Il faut une force supérieure. Allez, marteau est tombé. Héritier, un catcheur de Fardessé. Un coup, héritier aussi a planté. Marteau qui a maîtrisé au moins 4 catcheurs dans le ring. Yamado. Yamado qui appelle. Yamado qui appelle marteau. Yamado, Yamado, allez, marteau veut en finir avec Yamado. Allez, c'est Kalamba. C'est Kalamba qui appelle marteau. Marteau qui va avancer vers Kalamba. Kalamba n'est pas facile. Kalamba qui va résister. Kalamba est tombé. Où serait danger de mort? Kalamba qui va d'abord réveiller ses poulains. Est-ce que danger de mort va venir? Kalamba qui va réveiller tous ses coéquipiers. Allez, il va en finir avec Yamado. Yamado, Zeboul. Zeboul. Allez, il est là. Ça ne tient pas. Zeboul est tombé. Zeboul est tombé, mesdames et messieurs. Kalamba qui va réveiller. Tourbillon aussi. Nani? Marteau qui vient de retourner. Tout le monde a décalé. Kalamba. Kalamba très souple. Kalamba est très souple. C'est Tatu Kalamba qui a ressuscité quand même les siens, mais il a pris fuite parce que ce monsieur ici, quand vous le voyez, même le président Zouzou a peur peut-être de s'approcher. Oui, c'est Mwalimu qui vient d'arriver. Il est venu quand même désinfecter ce gars parce que c'est un gars très méchant. Mwalimu face à marteau. Oui, Mwalimu face à marteau. Mwarabu qui a crié. Il donne un coup. Marteau est tombé. Mwarabu qui va se concentrer. Marteau. Mwarabu est tombé. Mwarabu a décalé. Mwarabu a décalé. Tutu Sida. C'est Tutu Sida. Tutu Sida qui s'en prend à tout le monde. Tutu Sida face. Marteau est tombé. Tutu qui envoie, qui continue à envoyer. C'est l'arbitre Amayo qui en a eu pour son compte. Mwarabu qui reçoit les coups infernales.
Shaddai qui va maîtriser. Shaddai qui va maîtriser Marteau. Allez, c'est la fin, on attend les décolles de combat suivants. Marteau. Allez, ça kushirika. Tulizana. Mina tulizana. Tulizana. Mina tulizana. Ah, tout ça va pas maman. Président Casimir. Anakatala, anakatala. Oh. Narme kachini. Narme kachini. Munazi anapita mbio mu vestiaire. Munazi anapita mbio.